y avait proposé pendant 2 semaines, vous revenez 3 semaines après et le président de la CENI donne les résultats. Et ces résultats sont toujours contestés. Ce que nous voulons désormais, c'est ce qui se passe dans tous les pays. Quand l'élection est terminée, au niveau du bureau de vote, au lieu de faire simplement la décharge, on publie. Et ces résultats sont partiels parce qu'ils ne comportent pas les résultats de tous les autres. Et donc, comme ça, tout le monde va avoir connaissance de ce résultat qui sera transmis dès les transmis au Centre national de publication. Et on pourra ainsi savoir comment est-ce que la victoire d'un candidat ou d'un camp est construite. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous regardez les élections en France aux États-Unis, et qu'on arrive à 20h, et qu'on vous dit tel candidat a gagné cette élection, il ne s'agit pas du monopole du ministère de l'Intérieur, parce que dans ce pays-là, ce n'est pas la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur. Ce ne sont pas les résultats du ministère de l'Intérieur, c'est les résultats que tout le monde, la société civile, les témoins, les candidats ont obtenus. C'est comme ça qu'un candidat qui a vu que les résultats qui viennent lui donnent perdant, il prend les devants et il dit « j'ai perdu l'élection, je félicite ou je félicite ». Chez nous, c'est la CENI qui garde ce que vous appelez le monopole auquel vous vous mettez. Ce sont les bureaux de vote qui vont publier les résultats. Alors, c'est la ligne là. D'un grand débat pendant près d'une semaine sur la grande question de la loi électorale. Vous avez écouté une cinquantaine de questions de députés. Aujourd'hui, vous avez répondu. Vous en sortez bondé toujours ou bien vous vous êtes dégagé? D'abord, ce n'est pas depuis quelques jours. Vous me rappelez que la démarche de GTR, c'est depuis 2020 que nous sommes chevillés sur ce sujet, où nous avons travaillé d'abord pour recueillir les avis de la société civile et de la classe politique, avoir une loi consensuelle. Et le premier sujet de satisfaction aujourd'hui, c'est de voir qu'on chevine également vers la recherche de ce consensus entre deux politiques au sein de l'Assemblée nationale. Les questions sont aujourd'hui maintenant cristallisées. Nous savons les préoccupations des uns des autres et on sait aussi les lieux où les avancées peuvent être faites. Et donc aujourd'hui, ça va être une idée beaucoup plus claire qu'avant que nous allons avancer à la fois dans la recherche de ce consensus au sein de la classe politique, mais à la PAJ, où tout le travail va pouvoir se faire pour matérialiser enfin cette loi sur laquelle nous avons travaillé des mois entiers, des années entières. Nous avons aussi noté la satisfaction, en tout cas l'hommage qui a été rendu à l'un de nous, qui était artisan de cette loi, celui qui, au sein du groupe, a beaucoup insisté pour que nous ayons ce livrable qui a été la loi électorale. Je parlais de Henri Thomas Le Coco, à qui l'hommage a été rendu à la fois par les collègues, par le bureau, par le président. Et c'est une très bonne chose. Et donc, en son nom, on le touche parce que cette loi est baptisée loi Le Condo. Nous allons accomplir encore des efforts pour que, lors de l'adoption définitive, parce que le combat est encore là, que les options que nous avons avancées soient retenues. Honorable, vous avez été trop technique. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de manière claire et essentielle cette proposition de loi? Il faut retenir essentiellement 3 choses. La première, la chose essentielle que l'on doit retenir, c'est qu'avec cette loi, nous allons mettre en place la proclamation du résultat bureau de vote par bureau de vote, ce qui va introduire la transparence et faire cesser la pression, les tensions, la fraude électorale à laquelle nous avons assisté à chaque fois, avant les élections, pendant les élections et après les élections. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans cette assemblée depuis 2006. C'est la première fois qu'il y a une forte cohésion autour de l'idée que la femme doit être représentée de manière paritaire au bureau de vote, ce qui va introduire la transparence et faire cesser la pression, les tensions, la fraude électorale à laquelle nous avons assisté à chaque fois, avant les élections, pendant les élections et après les élections. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans cette assemblée depuis 2006. C'est la première fois qu'il y a une forte cohésion autour de l'idée que la femme doit être représentée de manière paritaire, parce que c'est quelque chose qui est impératif dans la Constitution. Ce n'est pas un cadeau qu'on peut faire, c'est une exigence impérative de la Constitution. La
troisième chose qu'il faudrait pouvoir retenir, c'est que nous voulons une cartographie électorale qui soit élaborée avant. Que les Congolais, qu'ils habitent la ville ou qu'ils habitent le village, doivent savoir là où ils vont voter. Il n'y ait plus de surprise lorsqu'ils vont au vote et qu'on leur dise le bureau de vote n'est pas ici, mais qu'il est à un autre endroit. La quatrième chose que nous devons retenir et qui est essentielle pour notre peuple, c'est que nous voulons que le vote qui va se passer en 2023 dans les délais constitutionnels soit un vote qui soit mi-électronique, mi-manuel. Ça veut dire quoi? On va utiliser les machines à voter, mais les règles d'utilisation de la machine à voter vont être utilisées dans la loi. Les machines devront être géolocalisées pour éviter qu'on ait ce à quoi on a assisté de machines qui se baladaient dans les maisons des gens et dont on ne savait pas quoi en faire. Voilà les quatre exigences essentielles que les gens doivent retenir. En tout cas, avoir un résultat, bureau de vote, pas bureau de vote, dans notre pays va être une révolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand nous irons aux élections, comme vous avez suivi en France, à l'issue des élections, on pourra avoir des résultats partiels. Comment ça se passe à Sélimbao? Comment ça se passe à Mbajaka, comment ça se passe à Kisangani, et tous les résultats vont venir et tous les candidats, tous les groupes sauront pourquoi est-ce qu'on dit que tel candidat a gagné au lieu du système actuel qui est un système totalement opaque. C'est donc la victoire de la transparence sur l'opacité. Et ce sera le sens de notre combat, le sens de notre